Et n'oubliez pas de mettre la notification avec la petite cloche, comme ça vous avez dès que je fais une vidéo, vous serez averti. Donc vous êtes dans l'hôtel Turitu Princess. Je montre l'hôtel Turitu Princess. À vous de commenter, de liker, de dire si vous aimez l'hôtel. Moi je l'aime bien. Je lui donne 9 sur 10 cet hôtel ici. Et vous n'oubliez pas de mettre la carte sous ce truc pour dire ouvre-toi Sésame, la lampe. Excusez-moi pour le foutoir, il y a un bordel ici. Mais ça, c'est, vous savez que c'est la vie. Qu'il y a des bordels, il y a. Je vous montre même pas le bordel qu'il y a parce que. Oh, aïe, aïe. Mais ce que je vais vous montrer, c'est la vue qu'il y a ici. Imprenable, franchement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez d'avoir cette vue imprenable et qu'il y a une guêpe ici aussi. La vue, elle est pas magnifique? Dites-moi, est-ce qu'elle est pas magnifique? Mettez-moi un commentaire. Mettez-moi en commentaire dans la vidéo si la vue ici. Elle est imprenable ou pas? Luigi, la vue, elle est imprenable. Elle est magnifique. Et Luigi, il a dit qu'elle est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Regardez. Vous êtes ici à l'hôtel Turitu Princess. Grand Canaria. Magnifique. Bon, je ressors parce que j'avais oublié les lunettes de soleil. C'est sans lunettes de soleil, les gars, vous pouvez pas rester. Je rentre avant que la femme de charge va rentrer et elle va voir ce bordel. J'ai pas envie de voir qu'elle garde ce bordel ici. Bon, je vous montre la suite. Ici, vous, bah, c'est une douche, c'est une baignoire. Donc, il n'y a pas besoin de vous montrer. Vous avez déjà vu. Quand vous venez ici en vacances, c'est pas pour... la chambre, hein. La chambre elle est bien, c'est pas ça, hein. La chambre elle est bien, mais ah oui, hein, vous voyez, l'hôtel ici il est construit où ce qu'il y a la roche, hein. Alentour de vous il y a de la roche, vous voyez là-bas le côté, là-bas, ici où est-ce que je mets mon doigt, là, la lune qui fait comme ça, ben, la roche elle est là à côté, hein. Ah oui, hein, les gars, l'hôtel ici il est super, il est magnifique, regardez-moi ça ici. Nous sommes au 9e étage, les gars. Au 9e étage, j'ai bien dit. Quand si vous montez et que les ascenseurs ne fonctionnent pas, ben, je vous dis, les gars, les jambes, ben, vous avez un fessier d'enfer, hein, ici. Pour, surtout pour les femmes, hein. Si vous venez ici, vous faites monter une dizaine de fois et vous allez avoir un fessier magnifique, hein. Bon, Totof, est-ce que tu as monté les escaliers? Oui, j'ai monté une fois, il manquait d'air. J'allais crever sur place. Vous êtes obligé d'appuyer ça à chaque fois que vous faites. Et il vous dit où vous allez, le A, le B, le C. Et on est dans l'hôtel Turitu Princess. Ici, on est dans l'ascenseur en V. Vous allez voir la descente, la chute. Mais moi, j'ai le vertige. Je vous jure, j'ai le vertige.
Quelqu'un a appelé l'ascenseur. Dans l'hôtel Torito Princesse, il y a quasiment 11 étages. Et l'hôtel, il est fait avec la roche à l'intérieur. Je vous montre. Vous voyez, la roche est à l'intérieur. Hein. De chaque côté. Hein. De chaque côté, vous voyez là, où est-ce que je mets mon doigt, ça c'est de la roche. Hein. Et chaque étage, il y a un truc de roche. On touche la roche. Hein. Vous voyez là? C'est de la roche. C'est de la roche, c'est pas des... C'est pas une imitation, les gars, je vous jure. Il est encastré dans la roche, l'hôtel. Vous dites, ça n'a pas peur. Ben, il y a eu des ingénieurs. Bon, ce ne sont pas des ingénieurs comme l'Italie qui font des ponts. Ils savent bien qu'est-ce qu'ils font. Bon, des fois, je me pose la question. C'est à vous de commenter, de liker, de partager. Il y a un magasin dans l'hôtel Torito, mais il ouvre à 9h. Ici, vous êtes dans le hall de la réception, où il y a le sapin de Noël. Là-bas, il y a la réception, là, vous voyez, le petit sapin de Noël. Je ne sais pas c'est quoi comme statue ici. Je ne sais pas à quoi que ça ressemble. À mon avis, il y a quelque chose qui est skaté ici. Voilà, ça, c'est le spectacle, normalement, du 25 du 12 2022. Il est écrit arrivée du Père Noël, parce qu'ici il va arriver le Père Noël à 18h. En fait, ils vont prendre un bateau, il va passer de la mer et il va venir ici à l'hôtel Torito Princesse. Après, il y a un truc de cocktail de Noël à 18h30. Après, ouverture du restaurant à 19h30. Le dîner de gala à 19h30. Après, on a un spectacle Salon Princesse à 22h. Showtime Black White. 23h, Christmas et Bazar. Le 31 du 12, le nouvel an. Le dernier désir de l'année. Après, on a un jour de Christmas Costel, Toast de la nouvelle année. À 8h15, ouverture du restaurant. Puis le dîner de gala à 20h. On a un autre spectacle. Vous voyez le spectacle, c'est un bazar comme ça ici, voilà. Et à minuit, les 12 coups de minuit, un feu d'artifice à l'hôtel principal, l'hôtel Princesse. Vous voyez ici, vous tapez ça et vous allez trouver l'hôtel, tous les renseignements possibles de cet hôtel magnifique. L'hôtel ici, je tiens à vous dire qu'il est super génial. Ici, dans l'hôtel, il y a une dame ici pour louer des voitures. Si vous voulez louer la voiture et aller vous balader dans l'île, vous pouvez. Ouais, vous allez me dire, c'est cher. Non, c'est pas cher, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de quel budget vous avez. Si vous avez un budget que vous voulez flamber, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même louer une Ferrari, à moyen possible. Moi j'ai dit, tant que vous avez l'argent, il y a la possibilité. Si vous n'avez pas l'argent, ben, faites comme moi, vous allez appeler.
En dehors de l'hôtel, je vous montre qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'hôtel. Si vous voulez voir l'hôtel comme il est, il suffit de taper Hôtel Turito Princess. Vous tapez ça et vous verrez l'hôtel qui est magnifique ici. Ici, il y a beaucoup d'arrivages. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça a une chaîne sans fin ici. Je vais vous montrer les autres endroits qui se trouvent ici, à côté de l'hôtel Hôtel Turito Princess. Vous avez un parc aquatique. Le parc aquatique ici il coûte 15 euros, je veux vous le montrer, il est là-bas. Il n'est pas très loin de l'hôtel Turito Princess. Vous avez plusieurs hôtels. Si vous voulez, vous tapez Grand Canaria et vous verrez qu'il y a plusieurs hôtels. L'hôtel ici c'est magnifique. Ici, vous avez un coin pour vous relaxer devant la mer, devant la plage et tout ça. Si vous voulez, je vais vous descendre pour vous montrer pour aller à la plage. Pour descendre, vous allez où il y a la dame qui est là et vous tournez ici avec mon doigt. Voilà, vous tournez ici et vous descendez vers la plage. Là-bas aussi, il y a la plage. Tout ça à la plage. Si vous voulez louer des jet skis, ici, il y a trois possibilités. C'est 80 euros pour trois. Vous allez me dire, comment ça, 80 euros pour quoi? Vous avez le jet ski, vous avez le bateau avec le parachute qui vous soulève jusque dans le ciel, et vous avez la banane. La banane, c'est pas, non, pas la banane que tu manges, hein, Luigi. La banane que l'ongle qui tire avec le bateau, c'est 80 euros. Et après, si vous voulez pas faire ça, que vous voulez faire seulement le jet ski, la moto d'eau, c'est 15 euros. Pour 50 euros, mais c'est une moto qui n'accélère pas beaucoup, c'est une moto normale. Maintenant, si vous voulez une moto de mer rapide, c'est 80 euros. Vous allez me dire pourquoi là et là, c'est pas moi qui fais les prix, c'est pas moi qui a décidé, donc c'est à lui de lui poser la question. C'est à vous de juger, de commenter et de partager les vidéos. Moi, je vous montre seulement les hôtels et la plage. Elle est magnifique. Mais tant que je suis, je vais vous montrer les prix plus ou moins de ce truc-là que je vous ai dit. Ah voilà, excusez-moi, c'était 92 euros pour une personne, pour deux c'est 72. Vous voyez ici, il y a tous les prix ici. Vous avez qu'à visionner la vidéo et vous verrez les prix. Là-bas, sur le truc ici,
pour une personne c'est 50 euros, 2,90 et 3, 130. Pour la moto d'eau, je vous l'ai dit, moto Aqua Rapida, une personne 80, deux personnes 100 euros. Et pour la moto Aqua Normal, c'est 50 euros 1 et 60 euros 2. Ben à mon avis, c'est mieux de prendre celle qui est rapide. Ça sert à rien. Bon, vous allez me dire 80 euros pour 15 minutes. C'est à vous de voir, les gars. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Si vous voulez pas vous amuser, restez en Belgique. Je sais pas, moi. Moi, quand je dis, quand il faut venir en vacances, il faut dire soit c'est pour profiter, ou soit c'est pour faire le rapiace. Je reste en Belgique. Donc, moi je vous conseille la moto la plus rapide. Vous voyez la mer là? Si vous devez vous échapper, s'il y a un requin, je préfère avoir une moto qui est rapide qu'une autre qui est. Comme si vous avez une mobilette. Hein? Je préfère avoir une moto, comme on appelle, Dugatti, qui quand j'accélère, on cavale. Hein? Ici, c'est le parc aquatique, comme je vous avais dit. C'est le parc aquatique. Je vous montre parce que YouTube dit qu'il faut faire les vidéos les plus longues possible. Alors, je vous montre l'endroit. Tant que le soleil n'est pas encore levé, je veux bien vous montrer les vidéos. Parce que ici, Il est 8 heures, il est allez, 8 heures du matin, et en Belgique il doit faire 9 heures du matin parce qu'on a une heure de décalage. La Belgique elle a une heure en avance que les Grands Canariens. Déjà les gens sont déjà dans la mer, je tiens à vous dire, les 8 heures du matin, regardez, ils sont déjà dans la mer. Moi, franchement, j'attends. Ah oui. Et si vous voulez louer un petit yacht, ici au Grand Canaria, il y a la possibilité. Si vous voulez louer un petit yacht, il y a la possibilité de louer. Vous voyez le bateau, je vais vous le montrer. Attendez. Regardez. Je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez celui-là là-bas. C'est un petit yacht. Eh bien, vous pouvez louer. Pour une trentaine de minutes, vous pouvez le louer pour 399 euros. Vous allez me dire, mais tout le temps c'est cher, tout ça dans le... Oh les gars, moi je vous le dis, si vous voulez pas, c'est juste pour vous donner une information que c'est 399 euros. Et il y a moyen de faire des magnifiques trucs là-dedans. Hein. Bon, si c'est pour aller tout seul, n'y allez pas. Hein. Moi je te parle d'aller avec... bon, quoi. Allez, ciao. Hein. Ah, je vous fais voir la vue. Hein. N'oubliez pas, le pays des chats. Il y a quand même des gens. Hein. Ici en bas, où ce que je mets tout le long, il y a quelques restaurants. Ne vous en faites pas, il y a des pharmacies, il y a tout ce qu'il vous faut ici dans cette grande île du Grand Canaria. Tous les autres hôtels sont aussi faits comme l'hôtel Turito Princess, sont faits dans la roche. Je vous jure, dans la roche. Si les gens ils sont en train de prendre leur petit déjeuner dans un autre hôtel. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Carlo Totof ATM Caggiero? ATM. Ben, c'est des trucs de distributeurs. C'est des distributeurs de billets. Ici,
aux îles Canaries, il y en a partout. Partout, partout, partout. C'est pas comme la Belgique qui est en train de retirer tous les mystères cash. Inimaginable. Ici, aux îles Grand Canaria, vous en avez tous les 10 mètres, vous en avez un. Même dans les hôtels, vous en avez un aussi. Dans l'hôtel Torito, j'en ai vu, il y en avait un. Mais je tiens à vous informer, à chaque fois que vous retirez de l'argent sur une machine comme ça, ben, ils se prennent une commission de 2,95 € sur chaque transaction que vous faites. Alors moi, je vous donne un conseil. Si vous devez retirer de l'argent, retirez une grosse somme, comme ça vous retirez une seule fois. Parce que sinon, si vous allez chercher 20 € aujourd'hui, ça fait 2,95 €. 10 € demain et 20 € en cours et tchic et tchac, vous allez payer beaucoup de frais. Donc si vous avez la possibilité, retirez une grosse somme, comme ça vous n'avez pas de problème. Le parc ici, vous allez me dire, mais Toto, le parc il est même pas ouvert. Allez les gars, le parc ici il est ouvert à 10 h. Le parc ici, il est ouvert à 10 h du matin jusqu'à 18 h du soir. Après, c'est fini, c'est terminé. Dans le parc ici, ça coûte 15 € par personne. On a accès seulement au parc. Question de nourriture, ça, il faut prévoir un petit budget pour la nourriture, pour manger, les boissons, parce que c'est pas compris dans le prix. Ben, c'est comme si vous irez à Popsaland. Vous payez 18 € l'entrée, après la nourriture, vous la payez. Ben ici, c'est pareil. Ici, c'est 15. C'est déjà pas mal. Vous gagnez 3 € de différence. Et il y a tout. Dans ce parc-là, il y a tout. Et en plus, il y a le soleil. C'est pas négligeable. Dans cette rue, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez qu'est-ce qu'il y a devant. Vous avez vu le premier, à laquelle la distance, si vous faites le calcul, j'ai pas marché beaucoup. J'ai pas marché beaucoup pour avoir un autre distributeur. Hein. Et qu'il y en a un là-bas. Hein. Vous voyez là? Vous avez vu, ici ils sont très malins, c'est pas comme la Belgique. On est 10 ans en arrière par rapport aux autres pays.
Nous, on retire tout. Et ils sont beaucoup en avance. Les pharmacies, ils sont partout ici. Vous en avez une ici. Et même pas deux pas. Vous en avez une autre là-bas. Bon, je calcule pas l'autre qui est encore plus en avant. Puis là-bas, vous pouvez aller louer le yacht que je vous avais dit. Regardez, encore un autre distributeur ici. Vous avez vu là? Après, 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les petits. À côté, vous avez une machine pour changer les billets et l'autre, c'est pour retirer les billets. C'est génial. Ici, vous avez des bouées pour aller rentrer dans le parc. Parce que c'est, vous pouvez aller dans le parc avec le truc. Comme vous pouvez voir à terre, il n'y a aucun papier. C'est nettoyé 24 sur 24 dans cette île ici. Nous ne sommes pas en Belgique. Il y a plein d'activités. Il y a même un truc, un Luna Park. Il fait tout, il fait bowling. Il fait plein de trucs qui se trouvent là-bas. Je vais vous le montrer, j'ai pas envie d'aller. C'est trop loin. Luna Park, des trucs pour vos enfants, tout. Il y a un mini-golf ici, vous voyez le mini-golf, là-bas vous avez la tour de Pise, ici vous avez la tour Eiffel, vous avez le Big Ben là-bas de l'autre côté, et de l'autre côté il y a la statue de la liberté, se trouve là-bas, c'est magnifique. Bon les gars, le soleil commence à arriver, vous voyez le soleil, il est en train d'arriver par là-bas. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? On va se raccompagner à l'hôtel, et puis je vais vous dire ciao ciao, bye bye, à tutti quanti. La discothèque de la Bamba. Elle se trouve là-bas, la discothèque de la Bamba. Ça, c'est un autre hôtel, c'est l'hôtel Paradise. Il est immense aussi, lui, vous voyez, il est encastré déjà dans la roche, à l'intérieur aussi. Ici, là-dedans, c'est un truc de bien-être, de bain turc, bain remous, des bazar assez. Si vous payez, vous pouvez y aller. N'oubliez pas de vous liker à la chaîne YouTube de Totof. Subscribe to channel.
En tout cas, chapeau pour les autocars de bus. Quand vous voyez l'autocar de bus, c'est parce que c'est la fin des vacances, c'est la fin des haricots. Les vacances sont terminées pour eux, c'est fini. Dites-leur bye bye. Vous avez seulement le spa, non pas le spa, excusez-moi, vous avez seulement le sauna et alors vous avez seulement la salle de sport et vous avez les massages, mais les massages sont payants. La spa, la salle de sport elle est gratos et le sauna elle est gratuit. Bon, je vous ai mis l'hôtel, c'est à vous de partager, de liker. À la prochaine. Ciao, ciao à toutes. Ciao.